Bonjour. Aujourd'hui, le 16 septembre, nous organisons quelque chose, le Bamako Marise, avec, en collaboration avec la municipalité de Port-Louis, qu'on appelle Port-Louis Pause for Peace. Et ce programme a débuté depuis 9h jusqu'à 1h30 pour aller là. Et là, depuis que nous avons commencé, vous trouvez alors hier, là, nous avons une exhibition. Une exhibition sur la paix, une exhibition sur une charte, différentes chartes. Et puis nous avons même quelque chose qui nous fait l'horoscope des valeurs. Et puis nous faisons une personne de même l'impression sur la paix. On termine un petit poème, un écrit, ou bien quelque chose qui est un dessin aussi, si vous avez envie de faire, vous pouvez trouver alors hier qui nous mettait. Et puis après ça, nous faisons un petit programme. Donc, c'était fini pour aller là, nous sortir de haut à ce moment-là. Nous, le temps, c'était plus important aujourd'hui, midi 29, que nous pouvons faire un temps de silence, un moment de paix. Et là, à partir de midi 29, nous tenons à peu près 100-150 personnes qui sont à l'extérieur, sur l'esplanade, de nous faire ce moment de silence-là. Et après, nous lançons le ballon, qui nous fait ça juste après. Et ça, c'est un petit peu comment ça se passe à partir de là. 0. Bravo. L'atmosphère, en d'autres mots, c'est ça qui constitue ce qui nous tient nous mood, l'état d'humeur. Et quand nous avons ça l'appel à l'intérieur de nous, nous avons une source de la créativité. Parce qu'il y a une grande parole qui dit « In silence lies the highest source of inspiration ». Alors dans ce silence, il est très facile pour nous connecter avec Dieu, l'âme suprême. Et en même temps, il est très facile pour nous capables de recevoir sa énergie-là. Nous faire une méditation, nous faire un moment de réflexion, ça n'a pas beaucoup dans nous la vie, parce que si nous imaginons la paix, beaucoup de progrès nous capables de faire dans nous la vie.